Être pleinement présent à ses pensées, à ses émotions et à ses perceptions sensorielles. Cette attitude, prônée par la sagesse orientale, intéresse de très près les psychologues et les neuroscientifiques. Mais pourquoi ? Eh bien parce qu'elle permet d'accéder à un état mental qui prémunit contre la dépression, l'anxiété et le stress. Salut les masters, bienvenue dans cette vidéo et comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la pleine conscience. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la pleine conscience dans un format qui s'appelle Flash Def où je définis rapidement la pleine conscience. Si tu es assez pressé par le temps, je t'invite à regarder cette vidéo, elle dure moins de 3 minutes et elle te permettra rapidement de comprendre ce que c'est que la pleine conscience. Mais maintenant, on va aller un petit peu plus en profondeur. La première chose que tu peux retenir concernant la pleine conscience, c'est qu'il s'agit de s'arrêter et de prendre un moment pour simplement observer. Mais observer quoi ? S'observer soi, c'est-à-dire observer ses sensations. Ses sensations, ça va être quoi ? Ça va être les odeurs, ça va être les sensations du toucher, la posture, ton corps positionné dans l'endroit où tu pratiques ta méditation. Ça va être les perceptions visuelles, les perceptions auditives. Tu vas chercher à focaliser ton attention sur ce que tes sensations te renvoient comme information. Tu vas aussi chercher à observer tes pensées et tu vas aussi chercher à observer tes émotions. Souvent, les pensées sont connectées à des émotions et les émotions sont connectées à des pensées. Certaines pensées sont connectées à des sensations et donc tu vas te rendre compte par l'observation qu'il existe un lien entre ce que tu penses, ce que tu perçois avec tes sens et ce que tu ressens. L'attitude de pleine conscience consiste à une observation de ces différents états qui vont te traverser. Tu ne dois pas chercher à analyser ce que tu ressens, tu ne dois pas chercher à juger ou à comparer ce que tu ressens, ce que tu penses ou ce que tu perçois. Tu vas chercher à porter ton attention sur ce que tu es en train de vivre, mais tu ne vas pas chercher à l'analyser. Ce n'est pas une attitude active, c'est une attitude passive. Tu es dans l'observation. Tu n'es pas dans la tentative de contrôle, dans la tentative d'analyse. Fais attention parce que naturellement, notre esprit va chercher à analyser les choses, à les comparer, à en déduire des raisonnements. Tu ne cherches pas à raisonner, tu cherches simplement à te positionner en tant qu'observateur de toi. Ça, c'est l'élément fondamental de la pleine conscience. On se positionne en tant qu'observateur de soi. On accueille son environnement et on appréhende cet environnement par le simple objet de l'observation. Alors j'ai dit que ça intéressait les neuroscientifiques et les psychologues, pourquoi ? Eh bien parce que cette attitude, elle te crée un état mental, et cet état mental, lorsqu'il est prolongé, eh bien modifie la construction et la structure de ton cerveau. Et ça, c'est intéressant pour eux, puisque ça permet de mener des études, de développer des protocoles pour aider à traiter certains types de maladies, comme l'anxiété, le stress, la dépression, etc. Cette attitude de pleine conscience, elle est bien plus efficace que les esprits pressés ou désireux de contrôle pourraient se l'imaginer. A priori, si tu n'es pas sensible à la pleine conscience et à la pratique de la méditation, dans un premier temps, tu vas te dire « moi je vois pas l'intérêt que j'ai à pratiquer la méditation, je vis déjà dans ma vie des états méditatifs, j'ai déjà des moments où je me sens ressourcé, etc. et je ne ressens pas le besoin de pratiquer la pleine conscience. » Moi, ce que je t'invite à faire, c'est simplement à te dire que la pleine conscience est un moyen de muscler ton cerveau, c'est un moyen de muscler ton attention, et en musclant ton attention, tu vas améliorer ta mémoire, tu vas améliorer ta capacité de concentration, et tu vas améliorer ta capacité de prise de recul sur tes émotions. Donc quand des choses plus douloureuses vont arriver dans ta vie, tu vas quand même les vivre comme étant des choses douloureuses, évidemment, ça n'est pas une solution miracle, mais tu vas avoir une perception de cette douleur qui va être beaucoup moins sensible que si tu ne pratiquais pas la pleine conscience. Tu vas avoir aussi une capacité de maintenir ta concentration qui sera supérieure dans le temps et une capacité à développer certains aspects de ta psyché comme la mémoire, la réflexion, le raisonnement et la créativité. En bref, même si tu es quelqu'un d'assez sceptique quant à la pratique même de la méditation, même si tu as une appréhension de la méditation qui est encore un petit peu en retrait, c'est-à-dire que pour toi ça s'adresse surtout à des gens qui sont soit ésotériques, soit spirituels, soit des mystiques, moi ce que je t'invite plutôt à penser, c'est que la méditation va être en fait un travail d'attention qui va muscler ton esprit, qui va entraîner ton cerveau. Donc ne vois pas ça comme une pratique spirituelle, il faut que tu saches que la pleine conscience a été laïcisée, elle intéresse des gens dans le domaine médical. Aujourd'hui, on a mis en place des protocoles dans lesquels il n'y a plus toutes les connotations spirituelles et on se concentre uniquement sur la pratique de l'exercice de l'attention. La pleine conscience est un entraînement de l'esprit qui a pour objectif de muscler ton attention et qui a pour bienfait de te permettre de prendre du recul sur toi, de travailler certains aspects émotionnels et de gérer des états de stress et de dépression, tout en améliorant certains aspects cognitifs.
Comme tu l'as compris, je cherche à condenser l'enseignement pour que tu puisses l'appréhender de la façon la plus simple possible. Et pour ça, il y a trois règles que tu peux retenir concernant la pleine conscience. La première règle, c'est que tu vas te contenter d'observer ce qui se passe, sans filtre. Pas de filtre, c'est la première règle, tu observes sans filtre. Ça veut dire que tu vas simplement te contenter d'accepter ce qui se présente à toi dans ce seul et unique instant de maintenant. La deuxième règle, c'est que tu vas chercher à ne porter un jugement sur rien. Tu ne juges pas, tu ne compares pas, tu ne rentres pas dans un exercice d'analyse mentale, tu es simplement dans l'observation. Si des jugements se formulent au moment où tu pratiques la pleine conscience, accepte que ces jugements existent, mais ne sois pas attaché à ces analyses. Prends simplement du recul sur ton mental et sur ta capacité d'intellectualiser les choses. Et enfin, troisième règle, tu ne dois pas avoir d'attente. Dans la méditation, il n'y a pas d'objectif, il y a une intention. Ça veut dire que tu vas porter ton attention sur quelque chose, ton intention va être de porter ton attention sur ce que tu vis présentement, mais tu ne vas pas chercher à avoir un bénéfice, tu ne vas pas chercher à avoir un résultat. Il faut que tu oublies toute forme de résultat, il faut que tu oublies toute forme d'attente. Tu te concentres simplement sur le moment présent, maintenant, tu observes ce que tu vis, tu ne juges rien et tu n'as pas d'attente. Voici les trois premières règles. J'accueille mon environnement, je ne formule aucun jugement ou aucune analyse et je n'ai aucune attente. Je suis simplement dans un état de présence, dans un état d'observation. Tu peux aussi retenir qu'il y a trois grands principes qui résultent de la pratique de la méditation en pleine conscience. Le premier principe, c'est que tu cherches à augmenter ton champ attentionnel. Tu cherches à élargir ta perception à tes pensées, à tes émotions et à tes sensations. Donc il y a une tentative d'élargir son attention, d'élargir le spectre de ses perceptions. Comme je te l'ai dit, la pleine conscience, c'est muscler son attention. Donc le premier principe que tu cherches à obtenir, c'est élargir ton champ attentionnel. Le deuxième principe, c'est que tu cherches à te désengager du mental. Donc il y a un désengagement du mental, ça veut dire que tu ne vas pas être impliqué dans ce que tu penses, tu vas plutôt faire un travail de recul, c'est-à-dire d'éloignement sur tes pensées. Tes pensées continuent d'exister. Dans d'autres vidéos, j'ai parlé du monkey mind, ce petit singe qui parle dans ta tête, qui est en fait ton mental est un singe qui te parle dans ta tête. Ça n'est pas toi, tu n'es pas ton mental. Donc tu dois simplement prendre conscience que tu vas chercher à te désengager des pensées. Ne cherche pas à les arrêter, c'est normal d'avoir des pensées. Comme je l'ai dit aussi dans d'autres vidéos, il y en a plus de 60 000 pensées par jour en tant qu'être humain. Donc c'est normal qu'il y ait un flux de pensées qui soit actif. Il faut simplement que tu cherches à ne pas t'identifier à ces pensées. Donc tu prends du recul sur ton mental, tu crées un désengagement de ton mental. Et ensuite, numéro 3, tu recherches avant toute chose un ressenti. Ça veut dire que tu cherches à porter ton attention sur quelque chose qui est vécu plutôt que sur l'analyse de quelque chose de vécu. Tu cherches à vivre la chose plutôt qu'à la comprendre. Tu cherches à la vivre plutôt qu'à la contrôler. Tu dois simplement te contenter d'observer ce que tu es en train de vivre et d'observer ton ressenti. La plupart du temps dans le quotidien, on est pris par les pensées. Et la plupart du temps, ces pensées sont dirigées soit vers le passé, soit vers le futur. Tu cherches uniquement à vivre ce qui se présente à toi. Tu es présent à ce que tu vis, tu ne cherches pas à contrôler ce que tu vis. C'est une subtilité qui est réellement importante dans la pleine conscience et ça fait toute la différence dans la pratique. Il n'y a pas de tentative de contrôle, de jugement ou de comparaison, il y a simplement un acte de présence. Et de présence à quoi? De présence au seul et unique instant de maintenant. Alors cet état de pleine conscience, il n'est pas obligé d'être vécu pendant la pratique de la méditation. Tu peux vivre de façon spontanée un état de pleine conscience. Puisque l'état de pleine conscience est un acte d'observation de soi, tu peux très bien avoir une baisse de ton flux mental, te sentir relâché, détendu à un moment de ton quotidien qui n'est pas forcément dans l'objet d'une méditation. Des psychologues ont mis en place plusieurs types de questionnaires pour analyser et évaluer la capacité d'une personne à rentrer en état de pleine conscience. L'un des plus connus s'appelle le MAAS, M-A-A-S, comme Mindful Attention Awareness Scale. J'extrais de ce formulaire trois petites affirmations qui vont te permettre de voir si tu as une facilité ou pas à retrouver l'état de pleine conscience. Je casse ou renverse des choses parce que je suis inattentif ou inattentive, ou parce que je pense à autre chose. Donc est-ce qu'il t'arrive de commettre des maladresses parce que tu es pris par tes pensées? J'ai des difficultés à rester concentré sur ce qui se passe au moment présent. Ça veut dire que tu es tout le temps en train de penser à ce qui s'est passé avant ou à ce qui va se passer après. J'ai tendance à marcher rapidement pour me rendre là où je veux aller sans prêter attention à ce qui se passe durant le trajet.
Donc ça, c'est une supposition qui va te permettre de voir si tu es présent à ce que tu vis ou si tu es en permanence dans les ruminations, dans les pensées, dans l'intellectualisation, dans l'analyse ou dans la rêverie. Parce que l'attitude de pleine conscience, ça peut être aussi décrit comme une attitude de pleine présence. Le philosophe Fabrice Midal affirme d'ailleurs que la retranscription du mot mindfulness à pleine conscience est une erreur de traduction. Selon lui, on devrait plutôt dire pleine présence. Donc l'idée que tu dois retenir de ces trois exemples que je t'ai donnés qui sont extraits de ce formulaire, c'est que est-ce que tu es réellement présent à ce que tu fais? Est-ce que tu es réellement attentif à ce que tu es en train de vivre? Ou est-ce que tu es le plus souvent pris dans les bavardages de l'esprit? Ces formulaires ont pour objectif d'évaluer la capacité qu'une personne va avoir à être présent. Moins cette personne va être capable d'être présent, plus elle sera susceptible de retrouver et de vivre des états de stress, d'anxiété, voire de dépression. Et c'est pour ça que ces formulaires sont extrêmement intéressants pour les psychologues, et on va le voir plus tard, la pleine conscience intéresse aussi les neuroscientifiques. On dit que si tu as une mauvaise capacité à rentrer en état de pleine conscience, eh bien ça veut dire que tu es absent. On dit souvent qu'une personne qui est en société et qui ne parle pas trop, elle est dans ses rêveries. Eh bien le fait d'être dans ses rêveries, ça veut dire que tu n'es pas présent à ce que tu es en train de vivre. Eckhart Tolle dit que si tu passes ton temps dans les pensées, si tu passes ton temps dans l'analyse, tu n'es jamais présent et donc tu ne vis pas réellement ta vie, tu n'apprécies pas réellement ta vie puisque tu n'es pas là. La pleine conscience, c'est l'art d'être là, ici et maintenant. Donc en conclusion, ce que tu peux retenir de la pleine conscience, c'est que c'est focaliser ton attention sur l'instant présent, être un observateur de tes pensées, de tes émotions et de ce que tu perçois au niveau sensoriel. Tu peux aussi retenir que la pleine conscience a un impact significatif dans la réduction du stress et dans la réduction de l'anxiété, que c'est aussi un excellent moyen de traiter la dépression. C'est donc une pratique considérée par la médecine comme étant non-invasive pour le patient. Et enfin, les neuroscientifiques s'intéressent énormément à la pleine conscience parce qu'elle a un impact sur le fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la troisième partie. Voilà les masters, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, on verra comment cela fonctionne exactement, on verra comment la science et la médecine l'appliquent sur des patients, et on verra quelle est sa réelle efficacité. J'espère que vous avez bien aimé ce petit moment passé avec moi. Je vous invite très rapidement à me retrouver dans la suite de cette série sur la pleine conscience. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Alors, on met tout bien. Nickel. Voilà. Être pleinement présent.